Phil? Are you listening? Damn. Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un unboxing. Donc je sais quelle marque c'est bien sûr puisque j'ai donné mon accord pour recevoir le produit, mais je ne sais pas du tout ce qu'il contient. Donc c'est une marque qui s'appelle Emma et Chloé. Donc j'ai juste ouvert pour ne pas faire trop de bruit en ouvrant. Donc ça s'appelle Emma et Chloé, en fait c'est une box de découverte bijoux. Donc quand vous vous inscrivez, vous donnez votre préférence pour l'argent ou le doré. Et du coup, il vous envoie, je ne sais plus si c'est tous les mois ou tous les deux mois, cette box. Alors elle est magnifique niveau packaging, ça défonce. Franchement, j'aime beaucoup. Genre ça peut te faire une librairie, tu sais, de... Enfin, j'imagine déjà comment recycler la box, tu vois, la fille. Et donc c'est www.emma-chloé avec un H, hein, Chloé c'est mieux, .com. Donc c'est la box bijoux des créateurs. Donc on ouvre ça tout de suite ensemble. Alors, à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc j'ai un petit pochon. Ah ça fait gling gling. Et il y a des dessins à l'intérieur en fait de bijoux, de... vernis, de... c'est cool quand même. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Une carte. Ça, il y a dans toutes les boxes maintenant. Je comprends pas pourquoi, mais... Alors, par contre, il montre une paire de boucles d'oreilles. Donc... Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais il montre une paire de boucles d'oreilles. Voilà, un peu dorée avec une pierre bleue. Clairement, je verrai bien si c'est ça. Et il y a une gazette aussi. Une gazette, donc un petit livret. Et elle a la même paire de boucles d'oreilles dessus. Et là, elle est verte. Avec du doré. Et moi j'ai précisé que voilà, je préférais l'argenté. Donc en gros c'est un beauty magazine avec présentation des bijoux, avec un édito. Il y a quoi d'autre à l'intérieur? Vous avez la sélection de la boutique. Mais je peux pas trop vous montrer. Mais oui, il y a des choses bien plus chères. Hein. Honnêtement, voilà quoi. Je vous mets le prix de la box ici, bien sûr, comme d'habitude. Et là, il y a des bracelets à 89 euros. Ah, c'est quand même... les prix, c'est quand même tendu, quand même. Hein. Bon, moi, je dis ça, je dis rien. Ah, il y a trois versions, alors, de la boucle d'oreille qu'on voit ici. Il y a une turquoise, il y a une verte et il y a une bleue. Donc, toutes les deux-là sont dorées et celle-là est argentée. Ok. Donc, ils disent que l'été arrive. Ils vous montrent une sélection de bijoux. Je suppose qu'ils proposent dans leur boutique avec les tarifs. Bien entendu. Ça monte quand même jusqu'à 110 euros. Donc là, ils vous expliquent que c'est la tendance boho chic en ce moment. Voilà. Ils vous expliquent les couleurs des pierres utilisées pour les bijoux. Et en fait, c'est cool parce que même moi, ça, je ne le savais pas. Ensuite, qu'est-ce que... Il y a Marion Jolie Canaille aussi, voilà, qui est blogueuse, qui fait une interview. Ensuite, il vous propose un espèce de tuto make-up, comment réaliser les paillettes disco, le kohl pour remplacer l'eyeliner, les faux cils en touche et le halo de fraîcheur. Donc ça, c'est pour le make-up. Ensuite, il y a, il y a un questionnaire, un test, quelle reine du disco êtes-vous? Voilà les réponses. Et ensuite il y a deux recettes. Donc en gros c'est un petit magazine comme Elle ou comme des choses comme ça qui propose un peu de tout. Et puis je pense que ça peut être intéressant puisque de toute façon on achète des magazines beauté. Donc pourquoi pas aussi, ça peut être pas mal. Donc ben, sans plus attendre on va ouvrir. Je me doute du coup déjà de ce qu'il va y avoir à l'intérieur puisque je l'ai vu en photo. Alors vous avez le certificat d'authenticité du bijou. Et donc en fait le bijou il se présente comme ça. Oui, déjà comme d'hab hein, je fais tomber. Non mais il n'y en a pas deux comme moi. Il n'y en a pas deux. Attends, on a mélangé. Il se mélange. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a du caoutchouc en fait qui protège. Du coup je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Elle paye pas de mine. Franchement, elle paye pas de mine. Moi, j'aime beaucoup en ce moment. Je sais pas pourquoi. J'en ai acheté aussi. Dommage que j'en ai acheté du coup. Mais c'est du moa. Et je pense qu'au niveau qualité, c'est pas du tout la même chose.
Et en fait, elle. Attends, je vais voir. Si au niveau. Alors, au niveau du fermoir, ce qui est bien, c'est que vous savez, on a un espèce de. Ça serre à un certain point. Du coup, on risque pas de perdre le fermoir de derrière. Ouais, on entend bien le clic. Donc, elle paye pas de mine du tout. Beau chic, je suis d'accord. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. On est bien certaine de ça. Voilà, avec des cheveux longs, ça peut passer. Franchement, ça peut passer. Pas avec ma tenue, bien sûr, du moment. Mais honnêtement, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal. C'est pas ce que j'aurais acheté parce que j'aurais jamais pensé que des pendantes comme ça auraient convenu en fait à mon type de visage. Mais maintenant, avec les cheveux longs que j'ai, ouais, je pense que ça peut aller. Ouais, ça peut aller. Mais honnêtement, de moi-même, j'aurais certainement pas acheté ça parce que je ne savais pas que ça rendait comme ça en fait. Donc forcément pas avec cette tenue, mais ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je suis quand même pas déçue. Je suis contente. Je suis plutôt contente de cette paire de boucles d'oreilles. Vous dites-moi quand même en commentaire ce que vous en pensez. Si je parle comme ça et tout, ça vous choque ou pas? Moi je trouve pas. Enfin, je trouve que portées, elles ont de la gueule. Parce que c'est vrai que quand je les ai sorties, j'ai pas trouvé qu'elles payaient de mine, si tu veux. Mais portées, ça, franchement, ça va. Donc ouais, on va bien voir hein, si de toute façon je vous ferai un retour puisque c'est de l'argent, c'est trempé dans un bain d'argent. Donc en théorie, il n'y a pas de raison que ça risque quoi que ce soit au niveau d'une possible allergie. Après, je vous avoue clairement que de moi-même, je ne me serais pas forcément tournée vers ce type de box parce que c'est pas vraiment connu. Mais honnêtement, ça peut être pas mal parce que. Disons que moi, je leur ai demandé à ne pas connaître le contenu de la box, je vous avoue tout net, pour avoir la surprise. Mais honnêtement, si je devais la commander, je serais d'avis de regarder ce que vous allez commander avant, puisque de toute façon, vous payez quand même votre box, donc pas tomber sur un truc qui vous plairait pas, quoi. Donc honnêtement, je suis contente du produit. Je verrai la tenue, je verrai au niveau de l'allergie ce que ça donne, je verrai un peu si ça se fond correctement avec les cheveux et que ça tire pas. C'est-à-dire que je les protège énormément, donc je voudrais pas que ça s'en mêle et que ça les abîme. Et je pense que ça peut être un bon plan pour un cadeau, pour tout ça. Franchement, moi j'adore les bijoux, hein. Je suis une mère bijoux. Ça me plaît bien. Franchement, ça me plaît bien. Par contre, je vous dis, regardez avant ce qu'il y a dedans pour pas tomber sur un truc qui vous plairait pas. Tout simplement. Donc, bah écoutez, je vous laisse toutes les infos en barre d'infos, lien, code promo, tout ça, prix, pour que vous puissiez un petit peu aller voir les prochaines box. Tout simplement, si toutefois celle-ci ne vous a pas plu, moi j'irai voir certainement la prochaine, parce que celles-ci, elles m'ont bien plu. Elles m'ont bien plu. Et en plus, bon alors. Pour bien faire, il faudrait que je me trouve la bague qui va avec, parce qu'honnêtement, j'ai pas de bague avec une turquoise comme ça, et en ce moment, ça me fait bien envie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter, liker, partager comme vous le voudrez. Pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose, et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles, ciao! Are you listening?